Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. On se retrouve. Bonjour. <laughs> bonjour. On se retrouve pour un nouveau numéro du Focus sur le parcours créatif avec Cécile de Un jour en couleur de l'univers Un jour en couleur. Euh, Cécile qui va nous parler de l'art comme un moyen de guérison et de retour à l'équilibre. Alors Cécile, bah Cécile donc tu es artiste plasticienne. Euh, tu fais donc de l'art en fonction de l'énergie des couleurs euh, qui est au centre de ta démarche artistique. Et, euh, et puis tu vas nous en dire un petit peu plus sur ton univers avant qu'on rentre dans le cœur ouais. du sujet, s'il te plaît. Avec plaisir. Euh, donc effectivement, je suis artiste. Euh, J'utilise beaucoup de, de manières de travailler très très variées. La seule chose qui est vraiment importante... C'est que j'utilise les formes et les couleurs comme un moyen d'exprimer vraiment le ressenti de l'instant. Euh, donc, moi, j'ai deux, deux particularités dans mon travail. La première, c'est que je travaille toujours en une seule fois. Donc, toutes les œuvres que je réalise sont faites en une fois. Et ça, c'est très lié justement à cette notion d'énergie, qui est que euh, je pense que tu ne peux jamais recapturer l'énergie d'un moment. Donc, quand tu crées une œuvre, euh, tu canalises l'énergie de cet instant. Donc, moi, j'utilise beaucoup les couleurs. Il y aura des artistes qui utiliseront plutôt euh, la forme, le crayon, le dessin. Euh, moi, je travaille de manière plutôt abstraite, mais justement parce que j'essaye de mettre la couleur au centre. Et, euh, et du coup, de, 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 comment dire, il y a presque une notion de performance, de, de jaillissement de l'instant dans ce que je fais, qui est que vraiment, euh, si une œuvre n'est pas terminée, le, le, dans cette énergie-là, elle ne sera jamais terminée. Elle n'appartient qu'à cet instant-là. Et la deuxième chose, euh, c'est que, donc, moi, je. Alors, je sais qu'on parle beaucoup d'art-thérapie et euh, je te remercie de ne pas l'avoir mentionné en tant que tel. C'est que moi, je ne fais pas de l'art-thérapie dans le sens où euh, je n'utilise pas l'art comme une manière de, de guérir de quelque chose mais plutôt comme une manière d'apporter euh, un équilibre dans mon quotidien. Et pour moi, ça, ce n'est pas une thérapie, c'est vraiment quelque chose, un outil du quotidien. Oui, voilà. ouais, ouais. Bah, super. Ah, donc, tu, tu fais des instantanés. Moi, j'aime bien le côté vraiment instantané. Il euh, n'y a pas de retouche après. C'est non. <laughs> Du tout. Et c'est d'autant. Alors, euh, j'ai beaucoup partagé, notamment sur, euh, sur mes réseaux, je travaille beaucoup à la peinture à l'huile. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant parce que justement, il n'y a pas de retouche avec la peinture à l'huile. Là où, au contraire, c'est une peinture qui est faite pour la retouche et pour qu'on revienne en couches successives. Et moi, j'ai une technique avec l'huile qui est euh, en une seule fois et il n'y a aucun repentir possible. C'est vraiment euh, pas de. Tu. tu... Tu abordes ton œuvre et même si elle ressemble pas du tout à ce que tu avais imaginé, il y a pas de retour en arrière. C'est ce qui est venu sur cet instant et on reste là. Et il faut apprendre, et donc il y a dans ma démarche toute une partie justement, d'apprendre à accepter et à travailler avec ce qui vient naturellement en plus de son intention propre. D'accord. C'est intéressant cette parenthèse sur euh, la technique artistique, ton choix de médium qui vient soutenir en fait euh, ta, ton processus et ta spontanéité. Euh, oui. Comment oui, tu oui, t'en oui. es arrivée à ce, à ce choix-là Alors en fait, j'ai détourné une, une technique académique, en fait, en fait, puisque la peinture à l'huile, c'est quelque chose d'assez formel. Moi j'ai eu, euh, j'ai pris des cours d'art euh, en cours du soir, un petit peu à côté et tout. On m'a parlé de la peinture à l'huile et pour moi, c'était un peu la peinture reine. Il y avait quelque chose de, de presque inaccessible tellement c'était technique. Et moi, quand on me dit que c'est trop technique pour y aller, en général, je me dis qu'il faut justement euh, qu'il faut justement tenter le truc. Et euh, sauf que je suis par nature pas très patiente, et donc en fait, quelle que soit la technique que j'utilise, euh, je vais développer des manières de faire qui me permettent de contourner les limites techniques qu'il y a. Et donc, par exemple, pour la peinture à l'huile, qui normalement demande beaucoup de patience, des temps de séchage très importants, et ben les premières fois que j'en ai fait, j'ai justement respecté ça. Et plus j'en ai fait, et plus je me suis dit, mais j'ai pas envie d'attendre. Donc, comment est-ce que je peux faire pour contourner ce problème-là, et notamment le problème du séchage? Euh, en peinture à l'huile, il y a une technique qui veut que si tu veux revenir sur ce que tu as déjà fait, tu ne peux faire que, donc, tu peux faire du gras sur maigre. C'est-à-dire que ton, ta couche supérieure doit forcément être plus épaisse que la couche qui est en dessous. Sinon, ça craque en séchant. Donc tu as ces effets de craquelure qui sont euh, ça peut être une volonté mais tu maîtrises rien et c'est compliqué. Et donc euh, moi j'en suis venue à l'idée que si je voulais faire vraiment les rendus que je voulais avec la peinture à l'huile, eh bien il fallait que j'ai aucun problème de séchage et pour n'avoir aucun problème de séchage, la seule solution que j'ai trouvée c'est travailler en une seule fois. Et donc des œuvres qui au début, euh, j'y revenais plusieurs fois, je retravaillais. Et plus le temps est, est passé, plus ça m'a apparu évident qu'il fallait travailler en une, en une seule fois. Et en fait, c'est la même chose pour euh, les travails à l'encre ou à l'aquarelle. Comme je n'ai aucune patience pour les temps de séchage, eh bien, euh, j'ai des manières de les travailler qui, euh, qui, justement, viennent se servir des difficultés que peuvent représenter. Euh, la technique pour au contraire euh, détourner l'attention et donner l'impression que tout ça, ça s'intègre au processus. Ah, c'est génial, c'est génial. Je pense que euh, s'il y a des personnes intéressées par tes techniques, euh, il faut qu'elles te contactent directement. Bien sûr. <laughs> et, euh, et ben non, tu vas nous dire euh, ben pourquoi tu es venue ici aujourd'hui euh, pour parler de l'art comme un moyen de guérison et de retour à l'équilibre. Mmh. Dans le quotidien, comme on disait, c'est euh, c'est pas la guérison quand on va voir vraiment l'art thérapeute ou le médecin habituellement, mais euh, mais un processus qui se fait au quotidien. Mmh. Euh, oui, en fait, bon, ça c'est après euh, comment dire, c'est lié à mon histoire personnelle, hein, comme beaucoup de gens forcément. Euh, mais moi, j'ai eu des pathologies chroniques qui m'ont accompagnée pendant longtemps, euh, et donc c'était vraiment plutôt euh, c'était plutôt une histoire de, de, de comment apprendre à gérer ses émotions au quotidien c'est à-dire comment est-ce que quand tu es dans ce genre de, de circonstances où tu sais que ça va durer longtemps et tu peux pas vraiment échapper c'est c'est assez douloureux pour que ça affecte ton quotidien et en même temps c'est pas suffisamment grave pour que tu puisses tout mettre à l'arrêt et ne rien faire d'autre. et donc comment est-ce que, alors en fait, c'est le, le mon nom sur les réseaux, il vient de là aussi. C'est comment est-ce que tu ramènes de la couleur dans tout ça Puisque pour moi, c'était très euh, du fait de d'une un, maladie chronique, le quotidien se, se grisait, devenait euh, tout tout se recouvrait d'une espèce de brouillard un peu gris, un peu, un peu épais, un peu lourd. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, bon, moi, je peins depuis très, très, très longtemps, évidemment. Enfin, évidemment, non, mais il se trouve que je peins depuis très, très longtemps. Et euh, très vite, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux ramener de la couleur dans tout ça Comment est-ce que je peux euh, faire au quotidien quelque chose qui va me redonner de l'énergie et très vite, euh, l'art est devenu une manière de ramener justement cette énergie. Et donc, un jour en couleur, au début, c'était une couleur par jour en fait, ou des couleurs tous les jours. C'était euh... et donc, c'est parti de là. Et euh, l'idée, c'était pas d'être une grande artiste ou c'était pas d'avoir euh, une technique hyper bien maîtrisée, c'était vraiment juste d'intégrer. Euh, une part de création dans le quotidien. Et donc, ça pouvait être faire un petit dessin, ça pouvait être utiliser des crayons de couleur, ça pouvait être utiliser de l'aquarelle, de la gouache. Ça vient aussi de là le fait que je m'intéresse à beaucoup de médiums très différents. Euh, parce que, du coup, dans cette notion d'équilibre, il y a une notion d'exploration, d'être toujours en mouvement. Pour retrouver un équilibre dans une vie qui te déséquilibre tout le temps, il faut... Ramener des nouvelles choses en permanence. En tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne. Et donc, euh, très vite, je me suis rendu compte que je ne peux pas me satisfaire d'une seule pratique mmh. qui serait euh, hyper cadrée. Et au bout d'un moment, on a exploré le truc dans tous ces recoins. Et quand j'arrive à, à ce moment-là, eh l'art ne m'apporte plus l'équilibre dont j'ai besoin. Donc là, je sais que j'ai besoin de réintégrer une nouvelle technique ou une nouvelle découverte. Et c'est cette, cette, cette exploration permanente qui me donne un équilibre dans le quotidien, en fait. J'adore ton parallèle entre l'équilibre et, et finalement le, le, la matière et les matériaux que tu vas utiliser, euh, effectivement, pour euh, retrouver un équilibre. Et enfin, tu mets des mots, en fait, sur moi, ce que je vis aussi, c'est j'espère que ça va mettre aussi des mots sur les personnes qui nous écoutent. ou il ben, y, y a des fois, euh, je, je repensais là, c'est la rentrée et, et on se dit on n'a pas le temps de faire toutes les activités, mais en fin de compte, c'est juste que la période de la rentrée, ben, notre équilibre change. Et donc c'est à ce moment-là où même si on veut rester en lien avec la créativité, ben, on peut trouver des outils différents pour maintenir l'équilibre et qui vont s'ajuster avec le temps qu'on a de disponible, avec l'énergie qu'on va avoir aussi. Faut continuer à garder ces couleurs et toi, qu'est-ce que ces couleurs elles t'ont amené? Enfin, concrètement, quel est ton comment tu as vécu de d'abord de, de, mettre des couleurs sur du papier pour que ça transparaisse après dans le reste de ta vie? Il euh, bah, y, y a eu plusieurs choses, mais d'abord, le fait d'avoir une activité dans le quotidien, je l'ai encore vécu récemment, puisque cet été j'ai vécu un, 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 un un drame personnel qui m'a beaucoup affecté et je me suis rendu compte euh, au moment où j'ai commencé à aller mieux ou en tout cas où j'ai commencé à vouloir aller mieux c'est très important ça aussi c'est euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour euh, avancer pour essayer de, de digérer ce qui s'est passé et pour pouvoir aller de l'avant et bien c'est passé par l'idée de ok je vais commencer à explorer une manière de faire et un médium que je ne connais pas du tout et donc, moi, ça me ramène dans une notion d'enfance presque, c'est-à-dire de d'exploration complètement libérée des contraintes qu'on peut se mettre. C'est-à-dire que je suis artiste, donc je fais des œuvres que je vends, et donc il y a une certaine attente par rapport au fait de réussir à produire des œuvres d'une certaine qualité, euh, produire des choses qui ressemblent à ce que j'ai déjà fait parce que ça plaît à un certain public, et puis. Et puis, j'aime ce que je fais. C'est pas du tout, je renie absolument pas ce que je fais. Mais dans ma pratique, euh, dans ma pratique d'équilibre, il mmh. euh, y a un besoin de dissocier. C'est-à-dire, pour aller mieux, pour aller mieux dans mon quotidien, je vais pas aller faire des œuvres qui ont pour but d'être vendues euh, ou exposées. C'est pas la même chose et c'est pas le même objectif. Et donc là, ce que je fais, par exemple, depuis un peu plus d'un mois, j'explore euh, des formes de sculpture, euh, qui est quelque chose que je ne fais pas du tout, que je n'avais jamais fait auparavant. Et donc, j'apprends à faire du papier mâché, de la pâte à papier avec de la colle, des... j'apprends à utiliser du plâtre. Mais alors, quand je dis j'apprends, c'est que je prends le matériau, je mets les mains dedans et je me dis, on verra bien ce qu'il y a à l'arrivée. Et donc en ça, il y a une notion donc, de découverte, mais il y a aussi une notion de retour à une certaine forme de légèreté parce que comme je n'y connais rien, que je ne le fais pas avec un prof et qu'il n'y euh, a personne pour me montrer comment il faut faire, moi je fais certainement énormément de bêtises, mais d'une, c'est hyper libérateur parce que justement, si c'est bah, si moche, c'est moche, mais au moins j'aurais essayé des choses. Et de deux, et c'est là qu'on en arrive à la manière que j'ai développé mes techniques, et si ça se trouve je vais commencer à l'utiliser d'une manière qui est pas du tout la manière académique mais qui moi va me convenir parce que elle reflète un besoin que j'avais c'est à dire le besoin que la matière se travaille de telle ou telle manière et si ça se trouve c'est pas du tout euh, la meilleure façon d'utiliser cette matière mais je m'en fiche en fait ce qui compte c'est est-ce que j'ai réussi à obtenir quelque chose qui me plaît voilà. Et donc, en fait, dans la, dans la part d'exploration, il y a beaucoup plus... Euh, en fait, mon équilibre, il vient de cette part d'exploration et de ce moment où... Euh, et je suis désolée parce que je crois que j'ai perdu le fil de ta question à l'origine. Pas grave. <laughs> et voilà. Et donc, on ne parle pas tellement de couleurs dans tout ça, mais en fait, pour moi, euh, les couleurs, c'est une exploration en soi. C'est-à-dire mmh. que la palette de couleurs, c'est l'exploration infinie. Je parle beaucoup de techniques. Mais en fait, quand j'ai pas la possibilité d'utiliser des techniques hyper compliquées ou de découvrir quelque chose de nouveau, juste prendre une petite palette d'aquarelle ou une boîte de six crayons de couleur, eh bien, rien qu'en ça, il y a une part d'exploration absolument infinie et qui, du coup, permet de. C'est un peu le, le, le kit d'urgence, quoi. Quand à rien d'autre, il reste quand même ça. <laughs> Et, même avec des... et donc, on en revient à ce que tu disais aussi. Ben, en ouais. ce moment, euh, la rentrée, beaucoup de choses à faire. Euh, si vous avez des enfants, ben, vous leur avez sûrement acheté des feutres pour l'école. Et ben, même avec trois feutres de vos enfants, vous pouvez faire des trucs, en fait. Ah, mais et, totalement. Euh, voilà. Et c'est euh, là qu'en fait, ça, ça, ça se joue pour moi dans l'équilibre du quotidien. Et après, ça se répercute de la manière que chacun souhaite. Moi, j'ai fini par euh, mettre de la couleur absolument partout chez moi. Euh, sur mes murs, on le voit derrière moi, sur mes tableaux évidemment, dans les accessoires que je choisis. Hum, mais ça n'est que le reflet de ces explorations que j'ai faites pendant des années en fait. D'accord. Moi, ce que j'entends dans, dans... Alors toi, ton besoin d'équilibre, mais il y a certainement des personnes qui vont se reconnaître dans, dans ce besoin d'équilibre, c'est un... aussi un élan de liberté. Et de de joie de 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 pas avoir le cadre euh, comme tu dis institutionnel euh, académique euh, dans lequel on, tout, on évolue au quotidien de toute façon et euh, de, de t'offrir cette parenthèse là et euh, bah pour revenir un petit peu parce qu'effectivement la vibration des couleurs on a senti qu'en fait euh, on en avait déjà parlé un petit peu entre toutes les deux mais pour toi les couleurs elles vont avoir euh, elles vont pouvoir exprimer des émotions et tu as développé ton propre code couleur oui. Et, euh, et pour amener comme ça euh, à ce côté guérison, tu m'avais dit, euh, moi j'ai mon code couleur et quand je vois mes carnets, même s'il y a que des taches de couleur, je sais ce que j'ai ressenti à ce oui. moment-là. Oui. Est-ce que ça, ça te permet aussi euh, de pouvoir prendre du recul par rapport à, à ce que tu vis en fait Oui, énormément, euh, énormément. Donc c'est vrai que j'ai euh, mon propre code couleur, c'est-à-dire qu'en fait, euh, chaque moment, chaque émotion que j'ai. Si je me concentre, je les associe à une couleur très particulière ou à une gamme de couleurs particulières. Euh, ça, c'est très vrai. Et donc, euh, dans les œuvres que je fais, euh, en fonction des couleurs que je choisis, je vais effectivement chercher à exprimer une ambiance, une atmosphère très particulière. Euh, et ben, pour revenir à ce qui s'est passé pour moi cet été, par exemple, euh, j'ai euh, réalisé une série de toiles avec une palette de couleurs qui, pour le coup, était un peu limitée parce que j'avais décidé que c'était ces couleurs-là qui étaient celles qui parlaient à ce moment-là. Il y avait euh, un bleu grisé très doux qui exprimait la tristesse. Il y avait euh, un rose extrêmement fort qui exprimait plutôt quelque chose d'assez violent. Euh, il y avait du orange, qui est une couleur que j'utilise assez peu parce que pour moi, c'est la couleur… Euh, une nuance de orange, un orange pyrole qui, pour moi, est vraiment la couleur de, de la surprise, de, du choc. Donc c'est une couleur que j'aime pas souvent utiliser parce que je trouve que moi personnellement dans la vie je cherche pas les... je cherche pas l'état de choc hein. pas voilà donc j'ai utilisé ces couleurs là et effectivement euh, il en est sorti huit euh, toiles euh, que j'ai partagées euh, bah, sur mes réseaux euh, qui seront jamais à vendre parce que c'est pas leur objectif mais par contre huit toiles qui avec la même gamme d'une dizaine de tubes de peinture m'ont permis d'exprimer toutes les émotions et donc toutes les étapes euh, par lesquelles je suis passée après, ce, après cet événement. Et donc quand je regarde ça, je regarde cet ensemble et c'est vrai que je vois très clairement, ok, bah ça c'est la toile qui parle de la tristesse, ça c'est la toile qui parle de l'événement lui-même. Après, il y a aussi les, les, les titres que je leur donne qui m'aident par rapport à ça. Il y en a un qui s'appelle L'instant avant la foudre, par exemple. Euh, et donc quand tu vois, moi en tout cas, pour moi c'est très clair quand je le vois, il y a cette espèce de, de, de bleu éthéré qui, 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 qui parle d'une forme de sérénité et tout à coup ce grand éclair orange qui arrive et qui, qui vient interrompre la sérénité dans laquelle on se trouvait. Voilà, c'est évidemment... Euh, euh, comment dire, évidemment, c'est des choses qui me parlent à moi parce que c'est mes couleurs et c'est les couleurs qui racontent mes ressentis. Euh, c'est très très important, je pense, pour les gens et dans cette pratique artistique que les gens peuvent avoir, de se rendre compte qu'en fait, ils ont leur propre palette et donc d'apprendre à, euh, à la décoder et à l'utiliser aussi quelque part. Euh, on a tous des couleurs qui nous évoquent des choses. C'est les couleurs qui nous racontent, c'est les couleurs de notre histoire. Et en fait, plus on les connaît, et plus on peut exprimer de choses justement dans cette, dans cette pratique. Euh, ça peut être, je ne sais pas, j'ai un... Pardon, excuse-moi. J'ai un... Je parlais avec quelqu'un récemment qui avait vécu en Asie. Et donc, il me disait, oui, euh, pour... et donc je lui disais, quelle est la couleur que ça, que ça évoque pour toi Et ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être le vert de la forêt, ça pourrait être le gris des… des... Il vivait à Hong Kong, donc ça pourrait être le gris de, des, des, des immeubles. Ouais. et bien, c'était le rose fuchsia. <laughs> Alors, on en a discuté, il m'a expliqué pourquoi, mais je trouve ça très intéressant, justement, d'apprendre à, à se poser cette question-là, justement. Qu'est-ce que ça… Couleur représente pour moi, et du coup, comment est-ce que je l'intègre dans qui je suis, dans ce que je suis. Euh, voilà. Et par exemple, ce rose qu'on voit derrière moi, c'est un rose, une nuance de rose que j'utilise énormément. Euh, pour moi, c'est la vie. C'est le rose de la vie. Et donc, c'est une couleur que j'utilise beaucoup et que j'aime énormément utiliser parce que chaque fois que je la vois, elle me ramène dans cet état de tu es vivante, tu es présente, tu es là. Et donc c'est euh, par là en fait que j'amène justement cet équilibre dans le dans l'endroit dans lequel je vis, mais aussi dans les créations que je que je peux faire du coup. C'est super intéressant parce que ça ça me fait écho à un discours que j'avais déjà entendu de euh, ben, alors oui identifier ses propres couleurs et identifier les couleurs dont on a besoin de s'entourer. Mmh. Et, euh, et et pas porter sur le coup attention je pense que tu seras d'accord moi les couleurs dont on s'entoure sont pas les mêmes qu'on va porter ouais, complètement euh, et et c'est vrai que bah, c'est pour ça que des fois on a des envies de refaire toute sa déco c'est que il mmh. y a des couleurs mmh. qu'on avait besoin à ce moment-là parce que ça nous a soutenu ça nous a permis de d'avoir l'atmosphère dont on avait besoin pour avancer puis euh, puis après on change d'étape de vie et, et on a besoin de, de rafraîchir un peu tout ça et de s'entourer d'autres couleurs donc c'est mmh. normal si vous avez cet élan là <laughs> je pense... et, et, et je suis complètement d'accord avec toi. Les couleurs qu'on porte ne sont pas forcément révélatrices de, de, de ça du tout. Et d'ailleurs, je trouve que y a quelque chose, une espèce de, de déséquilibre qui est assez amusant. Euh, par exemple, je m'habille très souvent en cou couleurs sombres, et les gens sont souvent surpris en disant mais toi qui aimes tellement les couleurs, oui, mais c'est pas la même chose. J'ai besoin de les voir, j'ai pas besoin de les. Enfin, le besoin est pas le même. Je suis complètement ouais. d'accord. Le, le besoin est pas le même donc euh, et je pense qu'il faut pas se frustrer par rapport à ça euh, et il faut faire juste ce qui nous paraît enfin juste euh, avec avec la, la sensation qui 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 est bonne pour nous mm. euh, et, et donc par rapport je veux revenir du coup sur euh, sur toujours la le côté euh, euh, bah, bien-être que ça procure et le côté guérison parce que c'est vrai que euh, toi ça ça a été très soutenant pour toi on a bien fait la distinction entre euh, Est-ce que tu crées pour euh, l'artiste qui va qui va vendre ses œuvres Est-ce que tu crées aussi pour toi euh, Est-ce que enfin, en, en quoi finalement euh, toi ça t'a permis ta création au quotidien de tourner la page de, de passer à d'autres étapes Comment enfin sans et sans forcément enfin je pense que voilà quand il y a besoin de, de... quand on avait des... Grandes étapes et des grandes, des grandes challenges dans la vie, On, il est important de se faire accompagner. Mais cet accompagnement que tu as eu toi-même envers toi-même, est-ce que tu l'as forcément toujours mentalisé ou ça s'est fait aussi euh, naturellement Alors non, pour le coup, c'est pas c'est quelque chose que j'ai pas du tout mentalisé ou en tout cas pas pendant très longtemps. C'est-à-dire que euh, y avait en moi euh, une part de il faut que je fasse quelque chose. Euh, donc, quand on, souvent dans la vie, quand il nous arrive des choses, euh, pas forcément simples, pas forcément, pas toujours des drames, mais en tout cas, voilà, on traverse des moments compliqués, on essaye un peu désespérément de reprendre le contrôle sur quelque chose. Et donc, très très vite pour moi, c'était, mais il faut que je fasse quelque chose. J'ai besoin d'être de, 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 dans le mouvement, d'être dans l'action. Et or, on n'a pas toujours prise sur ces choses-là. Et donc, euh, c'est devenu, bah, très bien, dans ce cas-là, je vais faire... Je vais avoir une action, je vais avoir un geste d'action euh, chez moi, sur quelque chose qui n'a rien à voir. Mais... Et donc en fait, c'est devenu une question d'être euh, en mouvement, d'être en, acti en action. Donc, et d'utiliser mes mains, en fait. Mais ça, c'est des choses que j'ai compris effectivement avec le recul. Aujourd'hui, je me rends compte que je faisais déjà ça à l'âge de 10 ans. J'avais déjà cette manière-là, en fait, de euh, quand j'étais euh, triste ou quand il se passait quelque chose de compliqué dans ma vie. Eh bien, je prenais déjà mon carnet à dessin, en fait. À la... Mais parce que, et maintenant je le comprends de mon regard d'adulte, évidemment, mais parce qu'en fait, quand les mains sont occupées, la tête se concentre sur ce que font les mains. Et donc on n'a pas l'option, ou en tout cas moins l'option, de partir dans tous les sens, d'essayer de, de projeter des scénarios pas possibles sur ce qui nous arrive à l'extérieur. Et donc ça ramène à soi et à son intériorité. Après, je vais pas prétendre. Moi, je n'ai pas développé ça comme une grande méthode de, 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 euh, de développement personnel ou de vie. C'est juste quelque chose qui s'est imposé à moi. Mais je me suis rendu compte, au fur et à mesure de, de ma vie, que plus je le faisais, et mieux je me sentais. Et donc, quand je commençais à sentir que ça n'allait vraiment pas, la solution qui s'imposait à moi instinctivement, c'était reprends tes crayons de couleur reprends tes feutres reprends tes pinceaux là au moins dans cet instant là tu te poseras pas la question de savoir ce que tu peux faire pour régler les problèmes qui dépendent pas de toi en fait ou pas toujours et donc c'est devenu, euh, devenu un besoin du quotidien et donc quand je suis dans la démarche et dans la création en fait c'est presque méditatif c'est euh, l'instant où je suis concentrée sur ce que je fais je suis concentrée sur mon présent et donc ça calme toute cette angoisse et toute cette, euh, tout, ce, tout, tout ce stress qu'on peut avoir euh, au quotidien, justement, parce qu'on ne maîtrise pas beaucoup de choses et c'est normal. Euh, mais c'est une manière de se ramener à l'instant présent. Et ça, c'est des choses que j'ai compris plus tard, mais que je n'avais pas mis en place en tant que tel avant. Maintenant que j'ai compris, je m'efforce de le maintenir dans mon quotidien et c'est en ça qu parle des, que je parle d'équilibre. C'est que maintenant que j'ai compris, je sais que si j'arrête, eh bien, je me tire une balle dans le pied, en fait. Parce que bah, tout ce que j'ai fait pour me, me, pour me soutenir au quotidien passe par, justement, le fait de, de trouver une manière d'être dans l'instant présent. Et pour moi, ça, ça passe par la création. voilà ouais, c'est génial. Euh... Je pense que c'est un beau message, un beau témoignage là, que tu partages avec tout le monde. Euh, ça, ça, me rappelle aussi le côté euh, les, les grand-mères qui se mettaient à tricoter, mais rien que pour tricoter. En fait, c'est qu'est-ce que je peux faire Je te fais un pull, c'est pas grave. <laughs> oui. Vrai. <laughs> il, y a, il y a cette action, et, et, et moi, ce que je retiens là, c'est euh, comme tu dis. En fait, tu reprends, le, tu remets le pied à l'étrier du quotidien en passant à l'action euh, sur quelque chose de joyeux, euh, sur, euh, sur quelque chose de spontané, d'instantané. Et, euh, et, et aussi revenir sur quelque chose on a enfin, une, une forme de maîtrise, j'allais dire, en tout cas une forme de joie qui va se manifester. Et, et après, petit à petit, bah, voilà, on remet en place le quotidien. Euh, c'est un très beau partage que tu nous fais là aujourd'hui. Pour, pour moi, en tout cas, euh, c'est devenu très vite une manière simple de ramener quelque chose de, de, de léger. Dans un moment qui peut qui peut-être ne l'est pas parce que il bah, y a des moments qui le sont pas et donc comment tu réinjectes il y a des gens pour qui ça va être aller marcher en forêt ou manger un très bon repas ou mais bon, pour moi j'ai trouvé que dans le fait dans le faire dans le dans l'action il y avait quelque chose en fait qui qui, qui t'obligeait à te à te concentrer là-dessus sur cet instant-là et justement à ramener une légèreté et quelque chose où soyons honnêtes il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que même moi en tant qu'artiste, si je rate un tableau, bah j'ai raté un tableau, enfin je... voilà, pers personne n'est mort, enfin tu vois, c'est moi je suis vexée mais il <laughs> <laughs> y a que l'ego qui est un peu froissé mais sinon tout va bien quoi. C'est ça, voilà. Et ça c'est très important aussi de s'en souvenir, c'est-à-dire que on est dans une société de de la compétition, du beaucoup d'apparence, beaucoup de il faut donner une certaine image et deux, euh, ça ne sert à rien de faire les choses si c'est n'est pour ne pas les faire bien. Et pour le coup, je trouve que dans la créativité, au contraire, au contraire, si, si tu fais déjà les choses très, très bien, peut-être essaye autre chose. C'est euh, pour la partie, euh, pour la partie euh, exploration et équilibre, en tout cas. Bah, il suffit de regarder Picasso, hein, il savait super bien dessiner. Hein. On voit comment <laughs> ça a fini <laughs> Oui, mais même pas que lui. D'ailleurs, en fait, les, tous les artistes que je connais se, se challenge. La plupart, en, la grande majorité. Il y en a peut-être qui sont très contents de pas, mais la très grande majorité, quand ils sont trop, je vais pas dire à l'aise parce que c'est pas une question d'être à l'aise, mais quand ils commencent à sentir qu'ils stagnent un petit peu dans une manière de travailler. Ils se, ils, ils se poussent un petit peu. Ils essayent d'introduire des nouvelles manières. Ils essayent d'introduire un nouveau thème. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre, enfin, dans cette exploration permanente. C'est, je euh, le compare un petit peu à une manière de surfer, en fait. C'est, euh, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas rester debout si tu restes au même endroit. Ouais. Et donc, ouais. pour ça, tu as besoin de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faire un effort et un effort qui te mène vers l'avant. Si tu veux continuer à être. À, 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 à avancer ou en tout cas à aller quelque part, il faut qu'il y ait ce, 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 ce mouvement perpétuel. Donc... Ben, ça va être le mot de la fin, je pense, hein, le mouvement perpétuel. Euh, suivre la vague, en fait, et, et trouver oui. la bonne vague pour surfer. Euh, C'est ça. Pour faire un. <laughs> Un beau, je ne sais pas comment ça se dit quand on prend bien la vague. <laughs> pas du tout une surfeuse, hein. c'est vraiment j'utilise l'image, j'y connais rien du tout, mais, <laughs> mais l'image me plaît. <laughs> ouais, bah, c'est génial. En tout cas, on peut, bah, on peut suivre ton univers euh, graphique, artistique sur Instagram, on va voir tous tes tableaux. Euh, as aussi une newsletter où bah, tu vas pouvoir euh, informer les gens, parce qu'apparemment, tu as, as des expositions à venir dès, euh, dès l'année prochaine. Euh, oui, dès janvier, euh, janvier, janvier 2024, la prochaine exposition. Ouais. Voilà, et, euh, et certainement aussi un, un petit tour à la créative alchimie pour nous parler un peu plus des couleurs, ça va être sympa. Avec grand plaisir. <laughs> ben, je te remercie beaucoup, Cécile. Et puis, si tu as encore quelque chose à, à partager, n'hésite pas. Non, mais c'était très, très agréable. Merci, Marie. Merci de m'avoir posé toutes ces questions qui m'ont amené à à réfléchir encore plus et puis j'espère que voilà j'espère que dans cette dynamique là il y aura des choses qui qui seront parlées euh, parlé à d'autres personnes hein. voilà l'idée c'est euh, bah, que vous vous reconnaissiez dans, dans un processus que vous vous autorisiez à ouvrir des, des nouvelles portes à, à essayer puis à voir que euh, bah oui on peut avoir une pratique qui permet de, de retrouver son équilibre de de Presque s'auto-soigner en fait, ou, ou en tout cas de, de pouvoir continuer à aller de l'avant, quoi qu'il se passe. Oui, c'est en fait, c'est une pratique qui permet de s'accompagner et donc de se donner euh, au quotidien une forme de douceur et une forme ouais. de bienveillance qu'on trouve pas forcément chez les. enfin, qu'on a parfois du mal à trouver à l'extérieur. Donc, comment se la donner à soi-même C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à <rire> toi. <rire> à bientôt. Bye.